Europe 1, bonjour. Le journal des sports. Oui, après le journal, l'actualité se poursuit dans Europe 1. Bonjour. L'actualité sportive d'abord avec vous, Jérôme Lacroix. Bonjour Jérôme. Bonjour Samuel. À la une ce matin, les supporters niçois qui tiennent leur nouveau héros. Et oui, ils lui ont déjà dédié un chant. Super Mario. Mario Balotelli. J'aime bien quand vous chantez. Ah, n'est-ce pas, a marqué de son sceau sa première apparition dans le championnat de France de football. L'attaquant italien recrue phare à Nice a inscrit 2 buts hier à domicile face à Marseille. Dernier match de la 4e journée, les Azuréens s'imposent 3-2 après du spectacle notamment proposé par Balotelli. Un but sur pénalty, un autre de la tête. Son coéquipier Valentin Esric. C'est bien pour le spectacle. Moi, j'aurais aimé gagner 3-0, ça aurait été mieux, moins de pression, mais non, c'est bien pour le spectacle. Voilà, c'était un bon match, je pense. Il y avait pas mal d'action des deux côtés. Des propos recueillis par Frédéric Hélion pour Europe 1. Et on chante un petit coup. Super, Super Mario. Alors du coup, quelles sont les conséquences de ce succès niçois au niveau du classement? Eh bien, ils sont deuxièmes, juste derrière les Monégasques. Ça se joue à la différence de but. Les Messins, troisièmes, complètent le podium. Les promus l'ont hier remporté 3-0 à Nantes. Les Marseillais sont ce matin 14e. Début de championnat étonnant en tout cas. Le mot sport du jour. Final, le tennisman Stan Wawrinka est vraiment monsieur final. En ce moment, le tennisman reste sur une série de 11 succès d'affilée en finale, tout tournoi confondu. Cette nuit, même la référence du tennis masculin mondial ne lui a pas résisté. Novak Djokovic est tombé en 4 manches et Wawrinka remporte l'US Open, un rêve éveillé. Mon histoire est déjà très belle. Ça reste fabuleux de me dire j'ai gagné l'US, j'ai gagné Roland et j'ai gagné l'Open d'Australie. Ça reste presque impensable, mais je l'ai fait et à chaque fois que je l'ai fait, je pense l'avoir mérité parce que comme sur ces 2 semaines, je suis allé chercher au bout de moi-même, je l'ai gagné. Stan Wawrinka au micro Europe 1 de Myrti Rambion à 31 ans. Il a donc 3 grands chelems à son palmarès ce matin. Côté français, la paire Mladenovic-Garcia a perdu en finale du double féminin. Jérôme, maintenant, l'histoire du jour. 2 très beaux gestes lors d'une seule et même partie de football. Aux Pays-Bas, le club de Rotterdam, le Feyenoord Rotterdam, avait invité de nombreux enfants malades à assister ce week-end à une rencontre de championnat. Première belle initiative. Et sachant cela, les supporters visiteurs, ceux de La Haye, avaient emmené avec eux au stade des dizaines de peluches, des nounours qu'ils ont jetées dans les tribunes pendant la rencontre afin que ces enfants malades puissent les récupérer. Ouais, belle initiative, effectivement. Merci beaucoup Jérôme Lacroix.